Hey, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour cet épisode 12 de Stardew Valley. Alors, dans cet épisode, bon bah on doit continuer à gérer notre ferme hein, bien sûr. Et on va essayer de trouver la hache de Robin, tout simplement pour lui ramener. Apparemment, on m'a dit qu'elle s'est située près... comment? Près des égouts, pardon. Donc les égouts sont situés ici. Donc faut qu'on descende de... Par là. On passe là, il doit y avoir un petit pont quelque part. Donc on ira voir. Il y a notre petit chat qui se balade, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. J'ai effrayé un corbeau, lol. Par contre, du coup, j'aimerais avoir une petite pomme de pin pour refaire un casse-croûte. Allez, donne-moi ça, s'il te plaît. Nice. Voilà les amis. Ah, notre petit toutou qui aboie, j'adore. Ça fait tellement réaliste. Du coup. Alors. Non, on va en garder un sur nous. On va remettre le bois là-dedans. La sève, ça. Le cuivre également. Et c'est parti. On va partir par de l'autre côté. Attendez, non. On va prendre la foule, hein, le truc. Voilà. Ça, on va enlever un peu de d'herbe qu'il y a partout. En passant. On pourra mieux passer sur la propriété, ce sera pas plus mal. Parce que je vous avoue que là, c'est un petit peu le dawa un peu partout. Hop. C'est pas entretenu chez nous, hein. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, l'arroseur, ouais, déçu. Ça arrose que 4 blocs autour, quoi. Et même pas à fond, j'ai l'impression. Donc... Je m'attendais à mieux. Donc j'ai galéré pendant un épisode pour un truc qui vaut même pas la peine. C'est triste. C'est vraiment triste, les amis. Alors, déblayons tout ça. Et on va essayer d'aller trouver la hache de Robin. J'espère qu'on va vraiment la trouver. Hop. Bah mince. Je peux passer au bon endroit pour sortir. Ah oui, c'est derrière le grand étang. Bah oui, hello. Ah, il y a les petits qui jouent là. What the fuck? Berk, ça pue. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est des égouts. Lol. Trois petits points. Pourquoi c'est fermé? Je vais explorer les égouts. Il est malade? Je crois que Gunter a la clé. Lol. Professeur Gunter, le conservateur du musée? Pourquoi crois-tu qu'il l'a? J'ai vu une grosse clé rouillée tomber de sa poche une fois. C'est forcément la clé de cette grosse porte rouillée. J'adore les trucs, comment ils font. Il y a quelque chose qui bouge là-dedans. Le ciel saute. C'est quoi ce truc? Ce jeu est what the fuck? Et là, je suis où, bon sang? Pourquoi je suis plus là où j'étais? Ah, d'accord, c'était une cinématique pour me montrer là où il y a les égouts avant que j'y aille. Alors, les amis, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Alors, ouais, il faut que je descende un peu plus bas. Voilà, ici. Normalement, la hache de Robin, elle doit être dans le coin. Ah, oh bah cool, des oignons et tout, on prend. Alors voilà, là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à ramasser? Ah, une hache! Nice! Vous avez trouvé hache perdue, mieux vaut la rapporter à Robin. Ouais, on va y aller après. On va juste d'abord aller voir ce qui se trame. Ah, mais mince. Hop! C'est fermé. Ok. Oh, on a un oignon qui coûte cher apparemment. On va faire le tour vite fait, voir s'il n'y a pas d'autre chose à voir dans le coin. On n'est jamais venu par ici. Hop. Alors chez moi, j'entends les oiseaux et dans le jeu, je vois l'environnement et les oiseaux. Donc ça fait très...
Très réaliste, les gens. Petit moment, raconte ta vie. Et fais. Alors, c'est parti. Donc, on a la hache de Robin. Maintenant, il faut aller chez Robin. On va passer devant chez Pierre en même temps. Comme ça, on ira lui amener les oignons. On ira les vendre. Écoutez. Hop. Tiens. C'est quoi ça? On peut pas le ramasser? C'est un pot de fleurs? Ah, tiens, c'est qui là? Salut. Oh, le temps est agréable aujourd'hui, pas vrai? Bah ouais, t'as l'air de faire la tête, Penny. T'as pas l'air en forme. Tu n'as point l'air en forme, Penny. Alors chez Pierre, c'est plus haut, hein. Ouais, c'est au-dessus du saloon. Donc on a loupé l'anniversaire de Shen encore là. Ah, oh, j'arrive pas avec les dates. Ah, on a la danse des fleurs là. Ok. Payer 100 grammes à tout pêcheur amateur qui attrape pas de spécimens de hachigan. Ouais, non, merci, j'aime pas la pêche. Alors, on va y vendre ça. Désolée, j'ai fait une petite pause. J'étais en train de lire vite fait dans ma tête au lieu de vous le lire à haute voix. Voilà. Allez, on a vendu ça. La fleur, on va la garder, on peut la manger. Donc c'est parti. On va voir Robin et comme ça, j'espère qu'elle sera là cette fois. Ah non, c'est plus haut chez Robin. Allez. Ah, les oiseaux, c'est kiffant. C'est très très kiffant de les voir là-dedans. Ah, encore des fleurs. Bon, vas-y, on prend, on prend, on prend, on prend. On prend tout ça. Bah alors, chez Robin, plus haut. Allez. Ah, voilà, ça y est, on est chez Robin. Tu as trouvé ma hache, quel soulagement, j'ai failli me couper un orteil avec celle dont je me servais en attendant. Merci. Agrandir la maison. 10 000! 450 pièces de bois. Wow! 10 000, les amis, bah punaise! Ça pour avoir une cuisine fonctionnelle? Waouh! Ça a intérêt à valoir le coup. Pardon, j'ai bâillé en même temps. Ouais, ça a intérêt à valoir le coup. Et là-dedans, je sais plus où on en était. On avait réparé la salle là-bas, là, on avait fait le truc. Non, on n'avait pas tout fait. Ah ouais, faut des trucs que j'ai pas du tout, pas du tout. Et pas vu une seule seconde dans le jeu. Mince, j'ai quitté. Ah voilà. Donc, hardise, raisin. Ah ouais, c'est des trucs qu'on n'a pas du tout vu, les gens. Ah, il faudra qu'on garde une carotte souterraine alors. Ok. Ah, il fallait du bois massif. En vrai, ça peut se faire facilement. Comment on peut obtenir du bois massif, par contre? Alors là. Faut qu'on arrive à comprendre comment avoir du bois massif, les gens, et on pourrait faire cette quête. Parce que je pense que le bois, on doit être pas loin de l'avoir fait. Parce que je suppose qu'il faut tout faire pour pouvoir réparer la pièce. Ah, c'est ça, du bois massif, attendez. J'arrive pas à le casser? Mais pourquoi elle va là? Elle le casse pas? What the fuck? On peut le casser? Bon, on peut pas casser cet arbre. Ça m'enquiquine un peu là. Comment on va faire pour avoir du bois massif? Attendez. Ah ouais! J'avais pas. Ah, pas mal. Ah oui, il faut que j'amène du chou-fleur à Jody. Et niveau 40 dans la mine. Donc en vrai, en dehors du niveau 40, le reste, on a plutôt bien géré.
Du coup. Ah, nice. Nice tout ça. Par contre, la fleur qui est fort. Qui est en argent, je vais la vendre. Bon, bah écoutez, on va faire le petit moment arrosage de tout ça. Hop. Bah alors, il veut pas mettre dans le coffre? Ok, voilà, on va mettre à vendre tout ça, on aura tout ça le lendemain. J'ai rempli la gamelle du chien déjà. Hein. Yep. J'avais déjà rempli et... Ah oui, mais au jour d'avant. Ok, bon, bah écoutez, je vais arroser tout ça. Et je vous retrouve après, les amis. Les amis, on se retrouve. Donc, il est déjà 20h40 dans le jeu. Et bah, j'ai dû prendre tous mes casse-croûtes pour pouvoir arroser. Donc, je sais pas comment faire pour... Parce que j'ai envie de produire de l'argent assez rapidement. Et en même temps, bah, niveau argent, bah, avec les champs, c'est très compliqué, quoi. Là, vous voyez, j'ai mangé tous les casse-croûtes que j'ai pu faire depuis le dernier épisode ou l'épisode d'avant, je ne sais plus. Et j'ai même pas assez, quoi. Donc, un peu en PLS, quoi. Donc, j'ai tout arrosé. Et là, elle est en mode fatiguée de chez fatiguée. Je sais pas comment on va faire pour le prochain jour pour tout arroser. Ça va pas être possible, je crois. Un petit peu galère, quand même. Je sais pas trop comment faire, quoi. Donc, si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai que, voilà, on est en mode compliqué. Alors, on a récupéré pas mal d'argent. Enfin, pas mal. On a eu mieux, mais bon. C'est pas mal. Hop! Donc, on n'a pas récupéré toute notre énergie encore. Il pleut, donc ça, c'est super. On va pas avoir de soucis pour arroser. On récupère tous les panais qui ont poussé. On va aller en racheter. Et on a le chou-fleur qui est poussé ou pas? Yes, on va pouvoir aller voir Penny. Bah, écoutez, on va racheter des graines chez Pierre. Pas besoin de récolter ça. Ah, les fraises. Ah, les fraises, on a pu en récolter 3. Très bien. Eh ben, c'est parti, on va aller voir Pierre et on va aller voir Penny. Ah, c'est Jody. C'est même pas Penny, c'est Jody. Alors. Dix mille du coup, pour améliorer la maison, pour essayer d'avoir la cuisine. Ok. Mais il faut quand même qu'on rachète des graines pour pouvoir avoir plus, quoi. Et en même temps, j'hésite à racheter des graines parce que bah, il faut arroser et c'est galère, quoi. Alors, c'est quoi la quête, là? 25 minerais de cuivre pour les examiner. Bah, on va vendre ça à Pierre, on va planter les graines et après, bah, on va aller chercher le minerai. Ah, 9h! Ah oui, il est 7h10. Ah oui, il est très tôt, mince, j'ai pas pensé à regarder l'heure. Eh ben écoutez, on va aller au bord de la plage pour aller regarder s'il n'y a pas des coquillages et des trucs à prendre pour pouvoir les vendre. Allez hop. Ah, c'est galère vraiment. Je trouve que gérer le temps, l'énergie, ça peut être compliqué. Hop, une palourde. Est-ce qu'il y a autre chose? De ce côté-là, rien de plus. De l'autre côté. Oh pardon, j'arrête. La fille qui arrête de parler, vous savez, en mode concentré pour aller ramasser un petit corail. Bon, allez, sans blague. Je vais arrêter mes bêtises et hop, on va repartir vers chez Pierre, les amis. Et on va essayer de voir ce qui se trame. J'avoue que... déception. Par rapport à l'arroseur automatique. Elle est toujours présente, j'avoue que... je sais pas comment faire. Donc j'espère que bah, vous me donnerez des petites idées pour ceux qui ont déjà joué au jeu, qui connaissent bien le jeu. Parce que je sais qu'il y a une personne qui m'avait commenté une vidéo et qui avait dit qu'elle n'y jouait pas, mais qu'elle avait pas mal regardé de vidéos sur le jeu. Donc peut-être qu'elle aura des conseils à me donner, cette personne, justement, pour pouvoir m'aider à progresser. Parce que c'est vrai que du coup, bah, j'ai envie de progresser
Et en même temps, bah, je suis ralentie par rapport à l'histoire de l'énergie. Je vois rien par ici. Il est 9h10, donc on va redescendre vers Pierre pour essayer d'avoir de vendre tout ça. Hop. C'est parti. Et après, on va aller à la maison. Allez, Pierrot, comment ça va, Pierrot? Hop, 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 hop. Ah ouais, ça rapporte pas mal d'argent quand même. On peut acheter des trucs de fraises ou pas? Ah, framboise. Ah, d'accord. Il n'y a pas de fraises. Ah oui, fertilisant, qu'il avait dit qu'il fallait que j'en achète. Bah écoutez, on va tenter. On va en prendre une dizaine. Avec. Bah, on va reprendre du panier, écoutez, parce que le panier en vrai ça pousse très vite et c'est ce qui est cool. Donc on va reprendre une quarantaine encore. J'hésite à remettre du. Ouais, je vais remettre des pommes de terre, je vais en prendre 10 pour pouvoir mettre avec l'engrais plutôt. Parce que ça met plus de temps à pousser. On va aller mettre ça à la maison. Et puis, bah, on va prendre le cuivre, on va aller voir Clint par rapport à la quête. Il faut que j'arrive à trouver Jody. Je sais pas où elle est Jody. Mais j'ai le chou-fleur. Hop, allez, on va à la maison. Youpi! Alors. Hop, on plante tout ça rapido, les amis. Hop. Alors là, je spamme le clic, je vous jure, j'essaie d'être le plus vite possible. Ah, un coup de ouh, je l'ai pas sur moi là. Ouh. Ah, fait chier. Pardon. Zut alors. Ah, la houe. Allez, la houe, là. Ah, la meuf, elle est en mode PLS. Alors. Une. Sérieux, on peut pas mettre le fertilisant? Parce qu'il pleut? Non. C'est sérieux? Ah, non, d'accord, il faut être sur la case. Ok. J'ai eu peur. Et dire, ça y est, le jeu. Le jeu est pas content, ça y est. Hop. On va voir si avec le fertilisant on voit un changement. Ah, le chien, il a plus d'eau. C'est parti. Donc, du coup, il faut qu'on prenne le cuivre pour Clint. C'est parti. Ça, on vend. C'est parti. Emballer, peser. Allez, on va aller voir Clint pour aller faire ça et on va aller essayer de trouver Jody. Alors attendez, le plan. Jody, elle a bien une maison quelque part, Jody. Ah, voilà, William Lane, Jody. Donc c'est la maison bleue. Qui est plus bas. Donc on va essayer de trouver Jody. Donc il faut descendre. Ok. Alors on va descendre. On va essayer de trouver la maison de Jody. Alors là, c'est la maison de Lewis. Ah là, ça va être la maison de Jody alors. La requête de Jody. Ouais, et eh ben c'est ce que je veux faire. Oh, il a l'air délicieux, merci, c'est exactement ce que je voulais, ce sera parfait pour moi. Ok, donc. Nice! Allez, c'est parti, on va voir Clint. Donc en gros, il faut vraiment faire les quêtes, quoi. J'avoue que celle du poisson, c'est chaud, quoi. J'aime pas du tout pêcher dans le jeu. Je trouve pas la pêche super pratique. Parce qu'en gros, bah, j'ai compris le principe, quoi. Faut faire des hits, il faut maintenir le poisson et tout. Mais en vrai, tu spam clic, c'est pas plus efficace que pas spam clic. Donc, j'arrive pas à trouver ça appréciable, en fait. Alors, Clint. Ah! Ça me déprime. What the fuck?
Alors, Mais non, c'est pas un cadeau que je vais lui offrir, c'était la quête. Ok, on va partir. Au revoir, Clint. Là, pas tout comprendre, les amis. Si je me tente à aller à la mine là, je risque d'être dans la panade. Encore. On va retourner à la maison. Écoutez, on va aller casser des arbres. Clairement. De toute façon, il va nous falloir 500 de bois pour la maison et 10 000. Donc, écoutez, je pense que c'est le meilleur plan à faire. Pour utiliser notre énergie et en même temps que ça nous soit utile, parce que comme ça, on va peut-être obtenir de quoi refaire des casse-croûtes. Pour prochain épisode, aller dans la mine et essayer d'y descendre le plus possible. Parce qu'apparemment, l'ascenseur est à la couche 10. On avait réussi à y aller. Non, on n'a pas réussi. Non, on n'avait pas réussi à y aller. Donc, on va voir si là, on y arrive. La prochaine fois qu'on ira dans la mine. Parce que j'avoue que ça m'enquiquine en fait. Ça m'enquiquine l'histoire de la mine. On va pas se le cacher que. Ouais. C'est très contraignant. Alors, laissez-moi passer. Non, le petit arbre, on va le laisser. Non, mais. Tourne-toi vers le bon truc. Alors, on va se casser quelques arbres, écoutez. On va essayer de déblayer un peu les arbres et d'obtenir ce qu'il faut pour faire les casse-croûtes. Alors écoutez, là on a eu de la sève. Et on a eu aussi un. Ah, allez, sors de là, toi. C'est nickel. On a eu des trucs bien. Alors, il faut des sapins. Hop, il y en a un là. Ça tombe bien. Allez, c'est parti. Le sapin, on va le casser tranquillou. Allez, cocaou. C'est assez loin à casser en vrai, mais bon, je me dis que IRL. Je suis déçue, c'est tombé dans l'eau. Punaise, en plus, il y avait des trucs qui m'intéressaient. Flûte! Au moins, cette fois-là, on va pouvoir ramasser. Ah, il y a eu une pomme de pin. Oh, on en a deux! On n'a pas eu. L'autre truc qui manque, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus ce que c'est. Je vois d'aspect ce que c'est. Ah, un gland, pardon. Voilà, le temps que ça monte au cerveau. Alors, faut casser ces arbres-là. Faut avoir des glands. On va essayer. Elle est fatiguée. Oh non, s'il te plaît. Ouais. Non! Oh, flûte! Efficacité de l'arrosoir, efficacité de la houe, clôture en fer, bac à conserve et sol rétenteur d'eau. Ok. Je sais pas à quoi sert tout ça, les amis. Un corail. Ah ouais, il a rapporté quand même pas mal. Bon, bah écoutez. Alors, c'est parti. Nouvelle journée. On est corps mort. Quelqu'un a déposé la clé l'année dernière. Super de connaissance, prends soin de toi. Oh, j'en ai marre. Ce jeu veut me tuer, les amis. On n'a pas le temps de tout faire, c'est impossible. Demain, nous nous rassemblons pour la danse de des fleurs. Si tu trouves un partenaire, tu pourrais même participer à la danse. Il y a une petite clairière dans la forêt, à l'ouest de la ville, c'est là que ça aura lieu. Entre 9 h et 14 h, si ça t'intéresse, Mère Lewis. Ok. On va vendre tout ça. Les amis, on se laisse là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. C'était le 12e. Donc, on va essayer de s'améliorer davantage pour les prochains épisodes. Enfin, j'aimerais vraiment agrandir la maison pour avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire à manger de façon plus facile, on va dire. Parce que c'est vrai que là, au niveau énergie, on est beaucoup en PLS. Et voir comment on peut automatiser davantage l'arrosage, quoi. Parce que là, c'est vrai qu'un truc qui fait que chaque côté un, c'est chaud, quoi. Donc, je vous remercie de l'avoir regardé. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine, des bisous, ciao ciao!